Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des Pourquoi. Aujourd'hui, nous allons parler des Pourquoi sur la Saint-Valentin. Allez, intro. Pourquoi Cupidon symbolise-t-il l'amour? Alors, pourquoi utiliser un petit gamin potelé qui se balade à poil en tirant des flèches sur les gens? De nos jours, Cupidon symbolise l'amour. Il incarne le coup de foudre et se trouve représenté quasiment uniquement lors de la Saint-Valentin. Mais peu d'entre nous connaissent l'origine du mythe et son histoire. Remontons dans le temps. Cette histoire s'est déroulée il y a très très longtemps, à l'époque des mythes et des légendes. Commençons par les Grecs. Avec Eros, Hésiode, un poète grec ayant vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ, serait le premier à le mentionner dans la Théogonie d'Hésiode. Un récit qui explique la théorie expliquant la fusion de l'univers et de certains objets célestes, des dieux et des déesses. Il parle d'Eros comme de la divinité à l'origine du monde, un être primordial. Il est la force complémentaire au chaos, l'équilibre entre les deux ayant généré la vie. Lorsque chaos régnait, Eros a apporté l'ordre, l'harmonie, sous la forme de l'amour qui lie les êtres ensemble. Cette version d'un Eros expliquant la formation de l'univers le fait rejoindre le panthéon des premiers dieux. Platon le mentionne également dans son Banquet. Eros y est encore le plus ancien des dieux, qui est venu au monde par lui-même. Tranquille le gars. Mais surtout, l'entité reste fidèle à elle-même, étant l'origine, l'amour et la procréation. Bon, c'est bien beau tout ça, mais Cupidon et à Saint-Valentin, il est où? Ne vous inquiétez pas, on y arrive. Eros est le fils d'Aphrodite dans la plupart des récits mythologiques. Mais je vous avoue, c'est pas très clair. Si vous voulez plus d'informations sur le bordel de la mythologie grecque, je vous conseille de voir la vidéo de Doc Seven. Je vous mets le lien dans la description. Vous comprendrez la simplicité de la chose. Bon, comme exemple, il est présent à la naissance d'Aphrodite dans un tableau célèbre alors qu'il est son fils. Dans ce type de scène, il est accompagné notamment d'Hyméros, son jumeau versant de manière totalement assumée dans la luxure, qui se pose comme Eros à poil avec un arc et des flèches, et qui incite le désir sexuel dans le cœur des gens. Eros tout seul est dans un premier temps jeune, mais pas forcément un gamin potelé. Il peut être un beau jeune homme, toujours accompagné de son arc et de ses flèches, car Eros allume la flamme cruelle de l'amour à la fois dans le cœur des hommes et des dieux. C'est probablement ainsi qu'il est devenu ce petit dieu taquin, désobéissant, à l'origine de tant de problèmes dans les récits mythologiques. Après, l'idée générale est restée bien ancrée dans les mœurs. L'histoire d'Eros et sa généalogie se sont pas mal compliquées. Et lorsque les Romains ont eu leur Cupidon, du latin cupido, qui veut dire désir, ça s'est pas arrangé. Certains poètes lui enleva toute origine particulière. L'amour n'a ni père ni mère. Et Eros est devenu un petit dieu ailé, appartenant au cortège d'Aphrodite. Amour, amour et désir. Ces petits êtres insaisissables représentant l'amour spirituel mais surtout physique. Ce sont les érotes qui, étant devenus une figure récurrente dans la langue grecque, se sont transposés dans l'art et la mythologie romaine comme des petits cupidons. Entre-temps, la figure bien individuelle du cupidon a enflammé l'imaginaire de bien des poètes mythographiques. Pourquoi le 14 février et d'où vient la Saint-Valentin? Pour ça, il faut encore remonter dans le temps, dans la Rome antique. Du 13 au 15 février, c'est-à-dire à la fin de l'année romaine qui commençait le 1er mars, les Romains fêtaient les Lupercales. C'était un hommage au dieu Lupercus, le protecteur des champs et des troupeaux. Lors des Lupercales, des prêtres sacrifiaient un bouc en son honneur. Dans la grotte, où la louve aurait nourri, selon la légende des jumeaux Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome, selon la mythologie romaine. Ce jour-là, deux jeunes, vêtus uniquement d'un pagne en peau de bouc, assistaient à la cérémonie.
Après celle-ci, il parcourait la ville armé de lanières, taillées dans la peau du bouc sacrifié, avec lesquelles il fouettait les femmes rencontrées sur leur passage et qui souhaitaient avoir un enfant dans l'année, afin de les rendre fertiles. Sympathique tout ça, hein ? Alors, évidemment, on peut se dire que les premiers chrétiens se sont dit qu'il était plus simple de transformer une ancienne fête païenne plutôt que d'essayer de la faire disparaître. En 495, le pape Gélas Ier fixe la date du 14 février par décret et nomme non pas un, mais trois Saint-Valentin différents. Trois martyrs. Valentin de Rome, un prêtre qui a souffert martyr à Rome dans la seconde moitié du 3e siècle. Valentin de Terni, un moine ou un prêtre martyrisé à la même époque et décapité. On va revenir après. Et Valentin de Réti, un moine itinérant et solitaire du 5e siècle. En 1496, le pape Alexandre VI désigne Saint-Valentin de Terni comme le saint patron des amoureux. Ce Valentin était un Romain qui a vécu au 3e siècle, sous le règne de l'empereur Claude II, surnommé Claude le Cruel. Cet empereur menait des campagnes militaires aux quatre coins de l'Empire. Et il avait énormément de mal à recruter et motiver les soldats. Il se dit que c'était sans doute à cause de leur foyer, leurs femmes, leurs enfants. Alors, il a décidé purement et simplement d'interdire le mariage. Malgré cet ordre, le prêtre continua de célébrer des mariages. Quand l'empereur le sut, il le fit immédiatement arrêter et condamner à la mort. Pendant qu'il était en prison, Valentin rencontrait la fille de son gardien, une aveugle, et la légende raconte que juste avant d'être décapité, il lui a rendu la vue, en lui envoyant une lettre qu'il a signée « Ton Valentin ». C'est trop mignon. Le problème dans tout ça, bah, malheureusement, c'est que des suppositions et des légendes. C'est un gros bullshit. Alors qu'en fait, nous savons rien sur la vie de ces Saint-Valentin. La première mention du jour de la Saint-Valentin avec une signification amoureuse remonte au XIVe siècle en Angleterre. Car à l'époque, on croyait que le 14 février serait le jour où les oiseaux se reproduisent. Les poètes du XIVe et XVe siècle vont ensuite se charger d'inventer le mythe de la fête des amoureux. Et puis Saint-Valentin, il est bien pratique. On sait presque rien de lui, on peut donc tout inventer. La tradition fut relayée par un chevalier Otto de Granson, puis rapportée en France par Charles d'Orléans au XVe siècle. Et puis c'est au XIXe siècle que le phénomène va connaître un véritable essor avec la création des Valentins, des poèmes d'amour que les amoureux s'échangeaient. Cela va se développer avec des cartes de vœux. Voilà, et pour finir, comme d'habitude, petit fun fact sur la Saint-Valentin et l'amour. Le premier baiser d'un couple mixte à la télé a été échangé dans Star Trek en 1968. Je rappelle qu'à l'époque, ça a été un gros choc et ça a fait polémique. La philophobie, c'est pas la peur des cours de philo, mais c'est un terme utilisé pour définir la peur de tomber amoureux. Et l'anuptaphobie, c'est la peur du célibat. Les deux tiers des amoureux tournent la tête à droite quand ils s'embrassent. Me dis pas que tu viens de le faire. Le symbole du cœur que nous connaissons aujourd'hui n'est apparu qu'à partir de 1340. Avant ces années, le cœur n'était pas relié à l'amour, mais plutôt à la forme d'une feuille de lierre. Le baiser le plus long a duré 58 heures, 35 minutes et 58 secondes, réalisé par deux Thaïlandais lors d'un événement organisé le 12 au 14 février 2013. Selon l'Université de Londres, les chansons les plus aphrodisiaques sont celles de la BO de Dirty Dancing. Offrir des roses, c'est une façon d'exprimer notre amour. Mais toutes les fleurs n'ont pas leur même signification. Une rose rouge symbolise la passion, la blanche, la pureté et la sincérité des sentiments éprouvés. La jaune évoque plutôt l'amitié. L'orange exprime le désir charnel et la rose, la fidélité et la douceur. Vous gourrez pas. Quand ton nombre de roses présente aussi un double sens. Une rose, c'est le coup de foudre. 2 veut dire qu'on demande pardon à l'autre. 12 pour les demandes en mariage. 36 pour avoir avoué notre amour. 101 rose signifie l'amour le plus fou de tout. Et un sacré trou dans le portefeuille aussi. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et de laisser un pouce bleu et des commentaires. N'oubliez pas, quelqu'un a dit, il n'y a pas de questions idiotes, que des réponses idiotes. Alors, soyez curieux.
Allez, ciao. Le vocabulaire, il est parti en vacances. Qui décrit la théorie expliquant la formation de l'univers et de certains objets célestes. De nos jours, Cupidon symbolise l'amour. Il incarne le coup de foudre. Un poète grec ayant vécu au 8e siècle avant Jésus et de certains objets célestes. Cette version d'un Eros. La formation de l'univers le fait rejoindre le panthéon des premiers dieux. Ne vous inquiétez pas, on y arrive. C'est probablement pour ça qu'il est devenu ce petit dieu qui n'a plus vraiment besoin de la part sombre de son jumeau et qui n'a pas à la fois son semblable romain est une entité. Le cœur n'était pas relié à l'amour, mais plutôt à la forme d'une feuille de lierre.